Salut les amis, c'est Serac, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Coral et on va enfin pouvoir traverser ce chemin qui était bloqué par le simularbre. Je me demande où est-ce que ça nous mène. On a un montagnard là. J'ai trouvé un arbre bizarre tout à l'heure. Il se trouve que c'était un Pokémon. Ouais, on lui a pété la gueule et il est dans notre PC. Il est chez nous maintenant. Bah en vrai on va rester hein. Je pense qu'Azumarill c'est le Pokémon le plus puissant hein. Mais là honnêtement je trouve que dans notre team on a quand même des Pokémon qui sont assez forts hein. Electek, Magmar et Azumarill ils sont assez balèzes. Bah, on va regarder. Ça lui fait 68 d'attaque. Ouais, on a 64 d'attaque spéciale en Magmar. Electek, malheureusement, on a une attaque physique qui est basse. Mais après, Electek, son attaque physique de base, elle est pas ultra élevée. Où est-ce qu'on est sur la map? Ah, on est sur une nouvelle route, d'accord. Je pensais qu'on rattraperait une autre route, mais non. Ah bah oui, ça va nous emmener jusque là où on a eu le deuxième badge, d'accord. Je pourrais même le mettre KO avec une hydroqueue, là. C'est dire quand même à quel point Azumarill fait mal. Hein. Regarde ça. Il lui fait même pas 50%. Même pas 50%. C'est quand même fou. Merci de m'assurer ton chaos à ce tour-là. Ah bah voilà, enfin une attaque feu. Enfin une attaque feu un peu plus forte. Je vais mettre Reptincelle en premier. Qui est XP un peu. Ah, il aime bien Tilton. Bah écoute, pourquoi pas. Hein. Oh non, me dis pas que t'en as 4 là. Et si, punaise, il a 4 Tilton. Bon, on va speeder. Hein. Et là, il a Altaria à la fin. Et, on est dans la merde. Non. Qu'est-ce qu'on a ici? Meditica. Ouais. On a Tarsal. Donc, vous savez qui serait très content de voir ça? En vrai, Tarsal, ça serait pas mal dans notre team. Ah. Lui, c'est un dresseur. Ce qu'on rappelle, hein, les pêcheurs, en fait, les bleus sont les dresseurs. Bon, on va speeder un petit peu, parce que j'aimerais bien avancer.
Nyan, je dors. Mais on est déjà réveillé. Ah voilà, on est réveillé, nice. Poison powder, non merci. Crocodile. J'adore ce Pokémon, je sais pas pourquoi. Il a une tête de Yoshi par contre. Ça c'est un truc qui me fera toujours rire. C'est littéralement, Crocodile c'est un Yoshi. Recoups. Madame Dahlia. La maison des fleurs. C'est vrai que c'est joli, il y a beaucoup de fleurs. À tous les coups, c'est une cousine de taré là qui était là. Elle touche pas ma fleur. Qu'est-ce qu'il faut comme CS? Je sais même pas où je vais. Ah ok. Bon, on va au moins avoir de quoi soigner. Par contre, j'ai l'impression que les arbres coupés ne respawnent pas, et ça c'est vraiment cool. Retour de Tarsal. En vrai, je vous avoue que Tarsal, ça m'intéresse. Mais... Je vous avoue que j'ai surtout envie d'avoir un Galam plus qu'autre chose. Picasso, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Maril. Oh bordel, il y a que des Maril. Roucoule. On n'a rien d'autre. Parce que bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Et si je lui montre autre chose? D'accord, alors si ça se trouve, je trouve des Marils parce que je lui ai montré Azumarill. Top dresseuse. Je la course. J'adore ce carré. Ça fait mal ça. 95% de précision. Évidemment, je misse. Il sert à rien ce reptincelle.
C'est un truc de fou. Franchement, l'animation de Playworth, elle est super. Ils ont trop bien refait. Ils ont trop bien refait l'animation. Pour l'instant, ouais. J'avoue que sur notre équipe, pour le moment, je suis pas convaincu par Doudouva et Reptincelle. T'es un taré, toi. Hein. L'opening. Je n'ai pas d'attaque combat sous la main. D'ailleurs, ça peut être violent. Oh yes! La brûlure qui vient pile au bon moment! Grand Ball. Faire ça. Vraiment balèze maintenant. Vraiment fort. Vraiment de gros dégâts avec Fiery Dance. Et il ne fait que devenir de plus en plus fort au fur et à mesure que le combat avance. Et c'est lesquels le fossile? Ok, Arcapti. Et cover, ça serait. Ça serait Carapagos? Bicoque. Mon pote, il a trouvé des objets un peu chelous là, de là où t'es venu, mais il s'est mis à agir bizarrement, alors je me suis barré. Oh, cette haine, quoi. Tant pis. Bon, on est de retour à Starglow Valley. À côté de là où il y avait le Ronflex, si vous vous rappelez. Je vais retirer un peu de sous. Voilà ce que j'entends par un peu de sous. Parce que
que bon, faut que je rachète quand même. Ouais. Bon, c'est là qu'on va se quitter pour l'épisode d'aujourd'hui. On s'occupera du Ronflex dans le prochain épisode et on avancera dans le jeu en direction probablement de la ville de la 3ème arène. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Laissez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous si notre contenu vous plaît et que vous voulez en voir plus. On se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien et ciao les amis.